Dans cette vidéo, j'ai vu Kylian Mbappé en vrai pour la première fois. Et je vous montrerai tous les secrets d'un match de Ligue 1 à l'Estac 3. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match unique entre l'Estac 3 et le PSG. On va assister à des événements magiques. Je vais tout vous faire découvrir, comme par exemple les vestiaires, les loges, mais aussi des plateaux télé ou même le terrain de foot. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tout vous dévoiler les secrets d'un match de Ligue 1. On aura peut-être la chance de croiser Kylian Mbappé, je vais vous montrer. Et sans plus attendre, c'est parti, let's go! Avant d'aller au match, je vais vous montrer la chambre d'hôtel qui m'a été réservée par l'Estac 3, le club de Ligue 1. On est sur un hôtel 5 étoiles. C'est la première fois de ma vie que je vais dans un hôtel avec autant d'étoiles. Du coup, on va la découvrir ensemble. C'est parti, venez avec moi les potes. Direction la chambre avec le lit et des accessoires que nous ont donné l'Estac 3. Incroyable, on va pouvoir les découvrir ensemble juste après. Les amis, on va maintenant découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette box de l'Estac 3. On a un magnifique maillot de 3. Regardez ça, hop, Star FS. Avec le maillot de 3, magnifique. On a une super écharpe de 3. 3 contre le PSG. On va ouvrir la lettre dorée. Donc sur le lit, on a d'autres goodies. On a par exemple une veste, mais aussi un sac. La pièce est juste sublime. Les détails sont pointilleux. Ici, nous avons une terrasse qui donne sur une très belle cour. Et c'est pas terminé. Juste après, nous irons à la piscine de cet hôtel. À ce qui paraît, elle est trop stylée. Les amis, on va en direction de la piscine. Vous imaginez une piscine dans un hôtel et en plus une 5 étoiles. Donc là, j'ai vraiment pas envie de louper ça. Et en plus, comme les professionnels de foot, on va pouvoir se décontracter les jambes et ensuite on ira au match. On est dans la piscine, regardez ça. On va pouvoir se décontracter les muscles comme des joueurs professionnels de foot. Et ensuite enchaîner sur le match Estac 3 PSG. En tout cas, la piscine, elle est incroyable. Allez les potes, on va maintenant au match Estac 3 vs PSG. Je vais tout vous présenter, les loges, les tribunes, le côté terrain, etc. Venez avec moi, c'est parti. Allez, on va maintenant dans le salon. Et dans ce salon, on peut se restaurer, manger, boire et se décontracter. Ici, les joueurs professionnels de l'Estac viennent se détendre. Des fois, il y a des baby-foot, il y a des petits jeux, c'est trop cool. On va maintenant voir où mettent les joueurs professionnels leurs crampons. Donc après les matchs, ils ont tendance à les mettre sur des porte-chaussures. Et comme ça, il y a des joueurs qui vont nettoyer leurs chaussures. Elles seront toutes propres pour les prochains matchs. D'ailleurs, les potes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels crampons vous portez lorsque vous faites du foot. On va maintenant découvrir la salle de sport des joueurs de l'Estac 3. Venez avec moi. Donc ici, ils vont pouvoir se muscler, se renforcer musculairement. Et on peut voir toutes les machines, du vélo comme on a pu faire à Monaco, des barres de traction. À l'intérieur, on a le bureau des coachs, la team performance. Dans cette salle, on a la salle de soins, la salle de massage. Les joueurs professionnels peuvent récupérer, se faire masser. Et comme ça, ils sont beaucoup plus en forme lorsqu'ils vont sur leur prochain match. On a tout simplement un lit, tu t'allonges dessus et t'as le kiné qui vient te masser. Et ça permet aux joueurs de récupérer très rapidement. On va maintenant dans une nouvelle salle, la salle balnéo avec des piscines, des jacuzzi pour que les joueurs puissent se détendre. Venez avec moi voir ça. On est maintenant dans la salle balnéo, une salle incroyable où les joueurs peuvent se détendre. Et notamment avec des jacuzzi, mais aussi une petite piscine. Et un bain froid pour que les muscles se régénèrent beaucoup plus rapidement. Et les potes, il y a aussi un sauna, donc c'est parfait. On va maintenant derrière cette porte, il y a les vestiaires de l'Estac 3. On va aller voir comment ça se passe, des vestiaires de footballeurs professionnels en Ligue 1. On va dans les vestiaires sont en rond et il y a les différents joueurs avec leurs sièges associés par leur prénom et leur nom de famille. Donc là, on est juste avant le début du match entre l'Estac 3 et le PSG et on peut voir que les vêtements des joueurs sont quasiment prêts. Donc voilà, c'est les vêtements qu'ils vont porter pour le match de ce soir. Donc il y a des crampons, t-shirts, shorts. On peut voir qu'ils ont de la nourriture un peu avant le match et un peu après pour pouvoir toujours avoir cette énergie et le sucre qu'ils ont besoin pour jouer sur le terrain. Le placement dans les vestiaires de l'Estac 3 n'est pas fait au hasard. On peut voir qu'il y a Adil Rami, un champion du monde, un joueur qui a de l'expérience, qui se met à côté d'un jeune, un qui débute en Ligue 1 à l'Estac 3. Et donc c'est Odobert qui se met à côté de Rami pour prendre tout simplement de l'expérience et ça c'est génial. D'ailleurs les potes, Adil Rami est capitaine de l'équipe Estac 3. Derrière moi, il y a les vestiaires du PSG. Imaginez, il y a déjà peut-être Kylian Mbappé à l'intérieur qui va jouer contre l'Estac 3. Donc voilà, dans le vestiaire juste derrière moi. Regardez les vestiaires du PSG, ils sont en train de se préparer. Tous les maillots sont en train d'être mis. On peut voir le maillot de Kylian Mbappé. On va maintenant aller dans le tunnel, c'est là où les joueurs passent pour rentrer sur le terrain. Donc c'est parti, on va voir comment ça se passe, venez avec moi. Et on arrive sur le terrain comme les professionnels de foot. Et là on va pouvoir voir les tribunes et notamment le stade. On peut voir derrière moi, les supporters sont en train d'arriver et ça va être un match incroyable.
entre le Stade 3 et le PSG. On est au niveau du terrain, il est juste là, la pelouse est magnifique, elle est toute douce, avec le ballon Star Crystal, incroyable. Les potes, lorsqu'un joueur de l'Estac 3 ou alors du PSG sort du terrain, parce qu'il commence à être fatigué, il va directement sur le banc. Et voici le banc par exemple de l'Estac 3. Donc là, ils se mettent ici et c'est super confortable. Les sièges en sont trop moelleux. C'est incroyable, j'adore. Et en plus, t'es trop bien positionné. Les amis, on va aller voir les abonnés. C'est parti, ils sont au niveau des tribunes là-bas. Let's go. Les amis, regardez, les abonnés sont juste au-dessus. On est là, ouais. D'ailleurs, on va leur demander pour qui ils sont. Moi, je suis pour Paris. Ouais, bah moi aussi je suis pour Paris, désolé pour les Troyens. Ah, moi je suis pour les Stacks, c'est le seul moyen de sauver notre saison. Là les potes, on est avec Ben Black, un influenceur UK, et on va faire une petite démonstration de freestyle, c'est parti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Je réalise maintenant une fin de passe avec l'influenceur anglais. Regardez bien. Ah, bougé. Bien joué. Donc voilà, il a un peu bougé. Victoire pour Star Freestyle. Les amis, l'influenceur anglais est en train de faire des skills de freestyle. Regardez derrière. Yes, le tour du monde, les potes. Les amis, on va maintenant sortir du terrain. Venez avec moi. Maintenant, on va aller voir d'autres choses. Les potes, une nouvelle salle. La salle de conférence des joueurs de l'Estac 3. Donc là, il y a les médias qui vont s'asseoir comme ceci. Et les joueurs qui seront derrière en train de faire un discours. Donc ils se mettent à ce niveau-là tranquillement. Et là, ils sont en train de parler. Salut tout le monde, etc. Les joueurs du PSG et de l'Estac 3 vont bientôt arriver en bus par ici. En tout cas, il y a déjà beaucoup de monde qui attendent leur arrivée. Et voilà le bus qui arrive. Le bus de l'Estac. Premièrement, c'est les joueurs de l'Estac 3 qui vont descendre et qui vont aller dans leur vestiaire. Les amis, le bus du PSG derrière moi, regardez, magnifique. Ils arrivent et Kylian Mbappé aussi. Regardez bien, ils vont descendre, ça va être incroyable. Ramos, Verratti. On attend Kylian Mbappé. Regardez bien les potes, il arrive. Mbappé les potes, il est là. On va maintenant sur le plateau télé, le plateau de Prime. C'est parti. Salut. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est Thierry Henry, une légende de l'équipe de France. On a serré la main de la légende Thierry Henry derrière moi, qui va sur le plateau de Prime pour présenter le match entre l'Estac et le PSG. On va maintenant demander à différents créateurs leur avis pour le match et qui va gagner entre l'Estac 3 et le PSG. Venez avec moi. On a Bob Dinulem. Oula, faut se réveiller Bob. Hey, salut, bonsoir. T'es en train de bonjour. Dormir. Dis-moi. Alors, qui va gagner le match? Qui va gagner le match? Écoute, je pense que en termes de niveau, on sait que le PSG est supérieur. Ok. Mais les Troyens vont tout donner ce soir. Et je pense qu'ils vont vraiment rivaliser, ça va être vraiment le match de la saison pour eux. Pourquoi pas un nul? Mais avant tout, que du spectacle et du beau jeu. Il a carrément raison, en plus les Troyens sont chez eux, donc peut-être un avantage pour le match, potentiellement une victoire, on l'espère. Maintenant, on va à la régie vidéo d'Amazon, venez avec moi. C'est là où toutes les vidéos sont envoyées et le mec, il va gérer entre 21 caméras et c'est lui qui va décider quel plan il va retranscrire devant notre poste de télévision. On a comme un capitaine à ce niveau-là qui va sélectionner les images qui vont aller dans le match et on peut voir sur chaque télé, il y a le nom du photographe qui est en train de prendre en vidéo le terrain et voilà, c'est le capitaine qui va sélectionner quelle vidéo passera à la télé. Les potes, venez voir, j'ai remarqué un truc sur le bus du PSG. On peut voir tout simplement qu'il y a des caméras. Qui avait déjà vu les potes des caméras sur un bus? Moi, c'est la première fois. Et c'est vrai, c'est pour la sécurité des joueurs parisiens. Les amis, derrière moi, il y a la puissance de tir. En gros, tout simplement, il tire. Et derrière, il y a un compteur qui affiche la puissance du tir en kilomètre-heure. Regardez. On va maintenant aller voir l'échauffement des joueurs de l'Estac et du PSG. Venez avec moi. On est à une place incroyable. Donc, je vais essayer de tout vous filmer, les potes. Les joueurs sont en train de s'échauffer derrière moi et les joueurs parisiens arrivent très bientôt sur le terrain. Les amis, on a Kylian Mbappé qui est juste derrière nous. Est-ce qu'il va faire un énorme match? On verra ça juste après. Et là, ils sont en train donc de s'échauffer avant le match. Donc, ils vont faire des montées de genoux, vont bouger les bras et s'échauffer un maximum avant le match. Kylian! On a la star, Kylian Mbappé, les potes. Voilà, on l'a vu pour la première fois de ma vie, je viens de voir Kylian Mbappé d'aussi près. Incroyable. Mais on espère quand même qu'il y ait un beau match et surtout que les Stacks fassent une prestation incroyable. Les potes, c'est l'échauffement et là on a Kylian Mbappé. Là il est prêt.
pas la vitesse les gars. Derrière moi, Kylian Mbappé, je pense qu'il est prêt pour le match. Regardez au fond. Ok, il est prêt. Vas-y, go. Maintenant, direction les tribunes, on va aller voir le stade, à quoi il ressemble de tout en haut. Venez avec moi, on va voir. Là, on est trop bien, regardez ça. Bon anniversaire. Match entre l'Estacroix et le PSG. Je pense qu'on a une bonne place, on voit très bien le match. Tous les supporters sont déjà présents pour ce match unique. Les amis, c'est maintenant l'entrée des joueurs. PSG vs l'Estacroix. Regardez, incroyable. L'ambiance, elle est complètement folle à l'Estacroix. Regardez derrière, incroyable. C'est maintenant parti pour le début du match entre PSG et l'Estacroix. C'est parti pour l'engagement. Mbappé vient de marquer, ce qui fait 1-0 pour le moment pour le PSG. Les amis, la première mi-temps vient de se terminer. Le PSG mène 1-0 face à l'Estacroix. Un but de Mbappé de la tête. Incroyable, vous avez pu le voir. En tout cas, l'Estac n'a pas démérité. Ils ont réussi à avoir une occasion, mais Donnarumma était sur la balle. Il a fait quand même un bel arrêt. Mais pour le moment, 1-0 pour le PSG. On va dans les loges. Et ensuite, seconde mi-temps. Maintenant, on va aller se restaurer dans les loges de l'Estacroix. On va aller voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des bons trucs à manger et à boire? Venez avec moi, je vais vous faire découvrir tout l'environnement. Let's go. Il y a de quoi boire. Donc, il y a des canapés pour s'installer. Et même à manger, regardez. Vous pouvez vous mettre assis tranquillement. Et voilà, vous mangez ce que vous voulez. Et pour regarder le match dans la loge, il y a une télé. Comme ça, tu peux suivre le match si tu es en train de manger. Et c'est parfait. Je suis, on va goûter ça. Les potes, le PSG viennent de mettre un deuxième but dès le début de la deuxième mi-temps. Et voilà, on touche à la fin du match entre l'Estacroix et le PSG. C'était un match plutôt intense. On a eu 3 buts du côté du PSG et 1 but du côté de Troyes. On a réussi à filmer un but de Kylian Mbappé. Énorme, il a mis un but de la tête. En tout cas, Troyes n'a pas démérité sur le match. Ils se sont donnés à fond. D'ailleurs, ils ont réussi à mettre un but en seconde mi-temps. Ils étaient remontés 2-1 face au PSG. Malheureusement, ils se prennent un dernier but vers la fin du match. En tout cas, un grand merci à l'Estacroix pour cette expérience unique. C'était génial. Et si cette vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager, à commenter ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, quel est votre club préféré? Dites-moi dans les commentaires, à vous abonner et à activer la notification. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao !